Une idée. J'ai toujours aimé ce moment-là quand, tout à coup, on sent, comme dans un souffle, oh, j'ai une idée. C'est une sensation magique. Mais alors, c'est quoi une idée? Au départ, on ne sait pas très bien. Mais on cherche. On cherche. On cherche. On ne trouve pas. On cherche encore. Et même parfois, on s'ennuie. Et d'un seul coup, oh! C'est ça une idée. C'est nouveau, c'est différent, c'est pas pareil. Et on a tout de suite envie de la dessiner. C'est un peu comme une graine qu'on a trouvée et qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et comment on fait quand on a une idée? Souvent, les idées sont pressées. Elles sont un peu fouillies. Elles bouillonnent. Alors, il faut se mettre au travail. Les noter, les ranger, essayer. Se tromper, recommencer, explorer. Et là, enfin, à force de travail, on arrive à ça. Ouf, une bonne idée. Et on sait tout de suite qu'elle est bonne parce que dans une bonne idée, il y a toujours un brin de folie. Alors, comment les trouver et les récolter, ces graines? Elles sont là. Partout dans le monde. Mais on ne les voit pas toujours. Il faut observer, être curieux, regarder, écouter, toucher, goûter, sentir, apprendre. Car tout ce qu'on découvre va dans notre cerveau. Et un jour, pendant qu'on cherche, certaines de ces graines s'assemblent et là, oh, j'ai une idée. Et à quoi ça sert de chercher des idées? Peut-être juste à s'amuser. Peut-être à changer le monde. En tout cas, mon expérience m'a appris une chose. Si on cherche, on trouve. Et si tu cherchais toi aussi?